Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, ça va être un coup de gueule, mais un coup de gueule tranquille, t'as bien vu, ça fait longtemps que je ne me suis pas excité sur une vidéo, mais j'ai déjà parlé sur le fait des voitures un petit peu délirantes. J'avais fait notamment sur le Hummer, mais là on va parler, donc il y a Planète GT pour le coup qui a fait l'essai là-dessus, de l'Audi Q8, tu vois, je suis dessus. Et j'ai pas trop regardé l'essai, non pas que vraiment Planète GT est super intéressant à chaque fois. Mais c'est des véhicules qui m'intéressent absolument pas. C'est des véhicules, je vais te mettre la caractéristique du véhicule et je ne ferai même pas pour le coup d'intro ou quoi que ce soit. On va taper directement dans le dur. 2 tonnes 5, une batterie de 114 kWh, ça doit être du brut. C'est la même chose que le Fisker. C'est bien beau d'annoncer 707 km d'autonomie, mais avec une batterie de 113 kWh. Water, et de l'autre côté pareil le 3008 qui t'annonce 600 km et avec 600 km on est sur une batterie de 96 kWh net, 98 en brut. Tu me diras dans les commentaires, mais clairement à partir du moment où ça dépasse les 50-60 et en NMC on peut tolérer jusqu'à 70-77, il y en a qui font jusqu'à 77 kWh brut. Encore une fois, ça commence à faire beaucoup. Là, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Et vraiment, si on voulait que la voiture électrique soit crédible, on ne mettrait pas ce genre d'ignominie. En tout cas, on les taxerait. J'ai mis d'ailleurs un commentaire. J'ai vu un commentaire. Je vais le mettre juste là et je te le dis. Ce véhicule n'a absolument aucun sens. Comme tous les autres, comme tous ces bulldozer électrique, on punit les sportives et ces choses de 2 tonnes 5 sans autonomie sont accueillies à bras ouverts par les technocrates. Oui. Et là, c'est vraiment donc le pseudo, il y a marqué B. Je pourrais peut-être le mentionner. Clairement, je n'ai pas, c'est le deux poids deux mesures. Donc d'un côté, on dit on supprime la voiture thermique au nom de l'écologie, du réchauffement climatique. Ok. Et de l'autre côté, on met en place donc des voitures électriques, malheureusement qui sont plus lourdes et ils ne sont pas surveillées et contrôlées. La taxe grise, la carte grise est gratuite. On a un Q8, donc il va avoir une carte grise gratuite. Enfin, c'est n'importe quoi. Et encore, elle fait, je te l'ai mis donc dans le descriptif, c'est 400 ou 500 chevaux. Je crois que c'est 400 chevaux. Enfin, c'est pas non plus les 670 chevaux du modèle X. À un moment donné. Et la vidéo va être vraiment courte. Je suis favorable à ce que l'on taxe clairement et qu'on mette des malus sur, à partir de, je ne sais pas, on peut mettre plusieurs catégories si on veut. Comme pour voilà, citadine, pas plus d'une tonne 4. Une compacte, donc les segments B ou C, voilà, c'est une tonne 6. Parce que il va y avoir des gens qui vont devoir avoir et acheter des voitures plus grandes parce qu'ils ont une famille. Donc en fait, dire voilà, c'est une tonne 4, ça va arriver. Ça par contre, on a parlé des taxes sur le kilomètre ou quoi que ce soit. Non, la taxe qui va arriver, elle est déjà donc pour les hybrides. La prochaine fois, ce sera certainement les hybrides rechargeables et les voitures électriques. Par contre, si c'est une tonne 6 et qu'il n'y a pas une dérogation, on va dire, par rapport à l'électrique, il va y avoir, je pense. Ça va faire mal. Parce que là, 2 tonnes 5 sur la balance. Le Fisker Ocean fait 2 tonnes 4. Même avec une batterie LFP de 75 kWh, 2 tonnes 2. Je trouve que il faut quand même être responsable et c'est clairement quand même du gaspillage. Donc il y a le look, il y a le prix, c'est très bien. Mais quand même, les Chinois, moi c'est ce que j'avais aimé, donc c'est pour ça que j'avais commandé la MG4, 51 kWh en batterie LFP, une voiture simple, efficace, propulsion, 7 secondes 7, une bonne gueule, moi je trouve, en orange, elle pète, noir même, elle est sympa, le gris foncé, le gris, là, je sais plus comment ils appellent ça, super sympa. Donc très clairement, je pense que c'est comme d'habitude, les constructeurs vont abuser, comme ils ont abusé avec les V8, les V10. Audi nous a sorti quand même un V12 Le Mans dans le Q7 notamment. Et je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je ne suis pas contre en fait qu'on laisse d'une manière libre ce type de personnes, voilà, le libre choix aussi. Donc le constructeur à faire un peu n'importe quoi, je suis désolé. Et puis l'acheteur qui a envie de se faire
un surkiff, qu'il a envie de s'acheter un truc pareil. Mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait une contrepartie et pas des malus à 40 000 euros, ni des trucs là, ce qui sont en train de sortir au poids, au kilo. Parce que ça, c'est une réalité au poids, au kilo quand même, dès que tu vas l'acheter. Mais de dire voilà, vous allez mettre un peu la main à la poche et puis de l'autre côté, on va aider pour un bonus. Mais ça, je l'ai déjà expliqué, l'État, en fait, dans un budget, ils n'ont pas le droit. Ils ne peuvent pas, en fait, dépouiller Pierre pour habiller Jacques ou quoi que ce soit. C'est des choses qui sont, entre guillemets, interdites. C'est-à-dire que ça vient dans un pot commun par rapport aux différentes taxes. Et après, ils ont des budgets en fonction de chaque ministère. Mais ils ne peuvent pas, il me semble, hein, tu me le diras en commentaire, mais ils n'ont pas le droit de prendre une taxe pour la reverser directement. Par exemple, moi, je serais favorable à ce que c'est à peu près 1 milliard chaque année les PV, mais on sait que ça ne ramène réellement que 400 millions. Parce qu'il y a 600 millions qui partent en faux frais. Ben, la société qui gère, en fait, finalement, qui est privée, qui gère toute cette mascarade, on va dire. Donc, si on nous disait, voilà, cette taxe-là, c'est 1 milliard, c'est fait pour les routes. Les routes, finalement, on va toutes les, elles vont toutes être revenir, elles vont toutes être publiques, on va toutes les enlever de la privatisation, etc., les nationaliser au final. Et on va taxer les vilains petits canards qui roulent un petit peu trop vite, qui font des excès, mais aussi qui font des conneries. On oublie quand même ceux qui picolent en bagnole et qui font n'importe quoi, et ceux qui conduisent sans permis, etc. On les taxe, et là, dans ces cas-là, on répare, on rénove. Et on fait des routes. Moi, je suis plutôt favorable à ça. Et ben là, c'est la même chose. Taxer sur quelques centaines ou quelques milliers d'euros des gens qui veulent partir sur un délire de certains véhicules, là, en l'occurrence, Q8, 2,5 tonnes, 2, 3 000. Et ça permet peut-être à des personnes de bonifier des bonus. Je trouve que d'ailleurs, c'est très bien de mettre aujourd'hui 5 000, mais pourquoi pas, si c'est 4 000, c'est que 4 000, et d'aider les personnes qui ne peuvent pas, mais encore une fois, il y en aura toujours qui ne seront pas contents en disant, je sais pas, c'est peut-être pas assez, ou c'est avec notre argent, on s'en fiche. Si tu obtiens 8 000 euros, logiquement, c'est que tu ne payes pas d'impôts. Donc si tu payes pas d'impôts, ne va pas dire que c'est de l'argent de toi-même, quoi que ce soit, puisque tu ne payes pas d'impôts. C'est comme ça, en fait, que les impôts sur le revenu permettent, c'est comme ça que ça a été fait aux États-Unis, permettent de payer donc le surendettement ou en tout cas la dette. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on va pas rentrer trop dans l'aspect technique, etc. Sinon, je vais me faire encore insulter par François du Jean-Claude Van Damme du VE. Bon, je rigole bien sûr. Donc j'espère en fait qu'il va y avoir une prise de conscience. Et si l'État clairement taxe ce type de véhicule, j'espère qu'il ne va pas être trop dur avec les personnes qui voudraient passer et qui vont pas taxer des compacts ou des véhicules qui seraient un petit peu plus lourds, mais un petit peu plus low cost, mais clairement qu'il arrivera à trouver un juste milieu. Sur ce, je vous dis à bientôt.